Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un tuto carte de joyeux anniversaire avec la petite girafe, le tampon en bois là qu'on avait eu récemment, enfin qu'on a vu chez Action. Alors, je vais essayer de faire une carte avec vraiment du matériel Action. Je vais me servir de ce die, enfin, de ce lot de dice, juste le parasol, le bâton de parasol, voilà. Je vais faire un système de cartes à glissière. Alors, on va avoir besoin de ce die-ci, de ce tampon. Ensuite, j'ai récupéré un die, c'était dans un lot comme un autre lot, mais j'ai pas su voilà, retrouver lequel, mais c'était un lot de chez Action. Voilà, les nuages comme ceci. Je me suis fait un pochoir. Voilà, sur un papier en plastique, enfin un papier cartonné, c'est des couvertures de livres, de cahiers, d'écoliers là. Voilà, je me suis fait mon gabarit. Voilà, donc je vais utiliser ça. Alors, je vous donne la mesure de ma base de carte. Si je trouve ma règle, ici, on va avoir besoin de l'encre, alors de la verte et de la bleue. Donc, j'ai pris 14,5 par 11,5. Donc je vais venir ancrer déjà ma carte. Alors, on va avoir besoin aussi de la Dymo. Alors moi je vais faire avec la mienne, avec la vraie Dymo. Si vous avez celle de l'Action, si elle marche la vôtre, vous pouvez faire avec ça. Et on va utiliser aussi ce tampon-ci. Voilà, ce tampon bulle. Donc la girafe, moi j'ai déjà colorié, j'ai fait avec les feutres à alcool pour gagner du temps. Donc je vous montre. Alors déjà, on va faire la verdure. Alors sur 2,5 cm, on va prendre hop, les repères. D'en bas, je vais me faire deux repères. Je vais prendre 3. Voilà, 3 cm. De chaque côté, je me fais des petits traits. Je vais venir ancrer avec du vert clair d'abord. Alors je vais prendre le 52. Je prends un chiffon pour nettoyer mon pinceau. Je vais mettre voilà une protection. Donc là je vais venir ancrer avec du vert clair jusqu'à 3 cm. J'ancre tout comme ceci. Ensuite, je vais prendre du vert foncé. Donc là, j'utilise les brosses que j'avais en partenariat. Vous pouvez prendre celles d'Action. Ils en faisaient à un moment donné. Enfin, ils en font toujours. J'en ai vu la dernière fois encore qu'ils en avaient. Donc, je prends. Je nettoie après mon pinceau. Et je vais prendre du vert. Je vais prendre le 50. Un vert plus foncé pour faire les bords. Sorte de verdure. Voilà. Ensuite, je vais prendre la brosse bleue, l'encre bleue. Je vais prendre mon pochoir comme ceci. Je vais venir faire les nuages. Alors là, je vais faire un bleu clair, le 55. Je vais faire comme ceci. Je fais mon petit truc de nuage.
Là, je vais prendre le 56. Je vais ancrer les bords. Ça fait une carte vraiment voilà, très très simple. Enfin, un fond de carte très simple. Un fond nuageux. Que je vais faire. Oups. Je vais mettre ici aussi. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre mon die. Voilà, ici. Voilà, je viens prendre mon die et aux 3 cm, je vais venir à 3 cm du bord ici, 3 cm là où j'ai mis mes petits traits, je vais venir à 1 cm, à 1,5 cm du bord, je me mets un petit trait, je vais faire pareil ici, à 1,5 cm, je vais faire un petit peu. Et là je vais venir mettre mon die et je vais venir couper. Alors je vais mettre un petit scotch, le passer à la machine à découpe, un petit scotch, je vais venir couper, ensuite je vais venir couper à 1,5 cm ici, et ensuite s'il reste, j'ai pas fait de motif, enfin j'ai pas fait de prototype, je pense qu'il doit rester un petit bout qui sera peut-être pas taillé. S'il reste un petit bout, je vais mettre mon die au milieu et retailler. Alors, je le fais hors caméra parce que je n'ai pas la machine là. J'ai la machine derrière moi. Donc, je vous montre. Alors, à 1 cm, j'ai dit à 3 de hauteur et 1,5 de chaque côté, je place mon die. Voilà. Voilà. On obtient ceci. Alors, je vous montre. Avec les mesures que je vous ai données, on obtient ceci. Et ensuite, il faut garder les papiers là. Les papiers qu'on a coupés à l'intérieur, on le garde. Ça va nous servir pour tout à l'heure. Hein. Et ensuite, je viens placer mon die au milieu. Voilà. Je mets mon papier et je repasse ça dans la machine. Voilà. Et on obtient ceci. Notre découpe, notre gouttière. Donc pareil, on va venir à... Donc, je vais refaire une découpe. Alors, j'en ai déjà deux. Je vais en refaire deux autres. Découpe sur un autre papier pour pouvoir garder, avoir quatre bouts de brin comme ceci. Voilà, j'ai fait mes découpes sur un bouillon. Voilà, je me retrouve avec quatre petites découpes comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir coller. Voilà, on va faire notre petite girafe sur glissière, hein, ici, comme ceci. Donc, là, j'ai des petits nuages, mais je vais les redécouper. Donc, j'avais fait des découpes au moment, je vais les redécouper, former un cercle de cercle. Voilà, je vais venir coller ici. Je vais diminuer. Pour faire glisser ma girafe. Donc ici. Voilà, je vais faire pareil pour l'autre. Je vais faire un petit cercle. Je vais venir coller ici. Je crois que j'ai deux autres nuages. Je vais en servir tout à l'heure. Pareil, on fera un cercle. Donc là, je viens couper mes quatre petits morceaux. Je viens les coller l'un sur l'autre pour pouvoir faire la glissière, là, pour faire glisser ma girafe. Je vais les coller l'un sur l'autre.
Alors, je vais prendre de la Patex. Pour faire une épaisseur. Je viens coller mes quatre bouts là, comme ceci, chute de papier là. Ça va faire une épaisseur. Travail un peu minutieux, mais bon, pas trop compliqué, ça va. On va laisser sécher. Pendant que ça sèche, on va venir, je vais venir tamponner mon nuage. Mon petit nuage là, enfin mon petit nuage, la petite bulle, donc, je vais tamponner sur un brouillon, je le retrouve ici, voilà, tamponner ça ici avec la versa fine pendant que mon petit truc sèche là. Hop. Voilà, j'ai coupé ma petite bulle, l'encre, je l'ai coupée, je l'encre de tous les côtés avec de l'encre noire. Et ensuite, on va venir faire notre petit montage. Alors, les petits cercles là, je vais venir en coller un ici. Je vais venir en coller un ici. Je vais venir coller ma petite barre. Si ça dépasse, on coupe, mais bon, normalement ça dépasse pas. Ensuite, je vais préparer deux autres cercles. Ici, ici. Et avant, on va venir mettre notre girafe, voilà, à l'intérieur. C'est bien collé. On vient mettre notre girafe ici. Vous voyez, ça dépasse. On va faire un système coulissant. Et on va venir mettre les deux cercles. Mettre de la colle sur le... Mettre le cercle. Faire pareil ici. Voilà, on laisse sécher. On va mettre du double face. Alors, je vais prendre ce double face-ci. Je vais mettre sur toute la carte. Voilà, je vais mettre du double face sur toute la carte. Je vais préparer un autre passe-papier de... Bon, je ne me rappelle plus. De 14,5 par 11,5 pour pouvoir le coller dessus. Voilà, je laisse sécher. Voilà, je viens coller mon papier derrière. Hein.
j'enlève le double face. Voilà, je viens coller. Alors, vous pouvez utiliser une double carte pour faire une carte. Voilà, il y a les tachés, c'est une chute que j'utilisais. Enfin, je replacerai un autre papier pour faire pour écrire mon mot. Je placerai un papier un peu déchiré. Il fait déchirer. Et ensuite, vous voyez, pour la faire coulisser, on va venir. Alors déjà, je vais venir mettre ceci derrière. Je ne sais pas si je le. Je vais faire comme ceci. Ça fasse. Je vais venir le coller. Comme ça, pour que ça fasse. Allez. Comme s'il y avait de la fumée qui s'échappait. Je vais mettre de la colle. Et je vais le coller derrière. Ensuite, avec ma Dimo, je viens. Alors, je vais changer juste le papier. Je vais le faire en noir. Voilà, je viens écrire avec ma Dimo coucou. Je viens faire deux espaces. Je viens couper ici, je viens mettre de la colle. Alors je vais mettre cette colle aussi là. Je viens mettre pas mal pour que ça tienne. Je vais couper ici, hop, et je viens le coller sur mon scooter. Je vais essayer, c'est trop long. Je ne veux pas que ça se voit. Voilà, je viens coller ça ici. Comme ça, ça me permet d'avoir une languette pour pouvoir faire glisser ma girafe. Et ici, je vais marquer. Voilà, ça ne gêne pas le passage. Je vais venir. Alors par contre là je vais changer, je vais faire avec, est-ce que je fais avec le bleu ou est-ce que je fais avec le violet, je ne sais pas, ou avec un rose, je ne sais pas lequel je vais prendre, hein. Celui-ci, je continue avec le noir, je ne sais pas trop, je vais faire avec le violet. Je vais écrire bon anniversaire. Voilà, j'ai tapé le bon anniversaire en violet. Donc, je vais venir voilà, couper ici. Je vais venir décoller. Par contre, je vais rajouter de la colle parce que il me semble que ça a tendance à ne pas à se décoller. Donc, je rajoute de la colle. Je vais marquer la bon anniversaire. Je vais découper ici aussi. Je rajoute de la Patex dessus. Comme ça, je suis sûre que ça tienne. Je colle droit. Voilà. Et là, hop. Je vais faire un truc comme ceci et voilà, il pourra vraiment voir le message. Après on peut le tamponner, on n'est pas obligé de faire avec de la Dimo. Ça bon, c'est pour utiliser mon ruban, essayer de le faire un petit, le cacher, mettre le petit nuage pour pouvoir cacher. Faire une carte voilà comme ceci. Là je vais venir finir, je vais faire des petits
Alors, des petits traits, des petites étoiles comme ceci. Pour faire la finition. Quand j'y suis retournée chez Action, ils avaient remis des pilotes. Et là, il y avait d'autres couleurs. Il y avait du bleu. Voilà ma petite carte avec cet effet coulissant. Le système assez sympa. Pour un enfant, après vous pouvez faire des petits tamponnages, d'oiseaux ou de papillons. Je vais la laisser comme ça, après je me l'arrangerai. Voilà, j'espère que ce tuto voilà, vous aura servi. Après, vous n'êtes pas obligé de faire avec la girafe, vous pouvez faire avec un autre personnage. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.